Le pôle d'activités et de soins adaptés est un dispositif accueillant les résidents de l'EHPAD souffrant de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée et présentant des troubles du comportement modérés. Le but est de leur proposer, dans une ambiance de comme à la maison, des activités thérapeutiques et sociales, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs possibilités de lien social. L'objectif est également de stabiliser et de diminuer les troubles du comportement au quotidien. Nous sommes des aides-soignants ou aides médico-psychologiques ayant reçu la qualification d'assistante de soins en gérontologie. Au cours de cette qualification, nous avons été spécifiquement formés à l'accompagnement des personnes souffrant de maladies cognitives. Mon rôle en tant que psychologue est d'animer des ateliers de stimulation cognitive. Je suis aussi là pour accompagner et soutenir les familles de nos résidents qui sont accueillis ici au COSA. Mon rôle en tant que psychomotricienne est de travailler avec les résidents sur les notions de réhabilitation, de rééducation et de réadaptation. Ceci par la pratique d'activités motrices et sensorielles permettant aux résidents un mieux-être physique et psychique et le maintien de leur autonomie. Chez la personne souffrant de la maladie d'Alzheimer, l'investissement de l'image de soi et de son corps diminue et nécessite d'être stimulé pour ne pas être oublié. Ce projet thérapeutique s'inscrit dans une démarche écologique « Protégeons la planète ». Le simple fait de pouvoir créer soi-même ses produits cosmétiques provoque un sentiment de valorisation et renforce le bien-être dans le respect des goûts, du corps et de l'environnement dans lequel la personne évolue. La finalité de ce projet consistait à créer par et pour les résidents un baume végétal à la fleur de Monoï. Le projet a commencé au mois de septembre à raison de une séance par semaine durant une heure. Les productions réalisées seront par la suite remise aux résidents ayant participé. L'objectif de ce projet était de favoriser la créativité des résidents par le travail de matières premières parfois oubliées. La vannerie est l'art de tresser manuellement des végétaux pour fabriquer des objets utilitaires et décoratifs. Les principales matières utilisées pour eux sont l'osier, le rotin et le raffia. La manipulation devrait être précise et méticuleuse, faisant appel au travail de leur motricité fine, de la stimulation sensorielle par le toucher et la vue, et de la créativité par l'abord des capacités à imaginer et à construire. Travailler des chaises parfois connues dans le passé par des résidents ayant des troubles cognitifs peut parfois ranimer les souvenirs et déclencher des automatismes qui sont perdus dans le présent. Le projet a commencé au mois de septembre à raison d'une séance par semaine durant une heure. Les productions réalisées seront par la suite remises aux résidents ayant participé. L'objectif du projet était de stimuler la mémoire ancienne afin que les résidents se replongent dans leurs précieux souvenirs et retrouvent leurs repères sur leur propre histoire. La dimension sociale était importante lors des ateliers et permettait aux résidents de faire ressurgir des souvenirs oubliés au fur et à mesure qu'ils échangeaient sur les différences et similarités de leur vécu.
La finalité de ce projet consistait à favoriser le retour à de meilleures sensations gustatives et visuelles face à l'alimentation. Il est à noter que les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée peuvent parfois présenter des troubles qui les empêchent de s'alimenter suffisamment face à la dépense énergétique quotidienne. Le finger food est une alimentation classique dont la forme et la consistance permettent d'être mangée avec les doigts. Les aliments sont donc servis sous forme de bouchée et avec différents types de présentations. Les objectifs de ce projet étaient donc de stimuler l'appétit et l'autonomie de nos résidents et ainsi lutter contre la dénutrition et la perte de poids, stimuler les sens par l'éveil de souvenirs et valoriser l'estime de soi par le fait de faire les choses soi-même. PASA pour l'ordre d'activité et de soins adaptés a toute sa place au sein d'une résidence qui abrite les personnes âgées dans la mesure où c'est une thérapie non chimique, non médicamenteuse qui vise à ralentir le plus possible la progression de la maladie d'Alzheimer par des activités diverses et variées. D'importance très haute étant donné que la chimie à elle seule ne peut pas du tout régler les problématiques de cette pathologie. L'objectif de ce film vidéo photo amateur était de partager le travail et les productions réalisées au cours de l'année 2020 avec les bénéficiaires du PASA de la résidence Le Sacré-Cœur. Ces productions sont le reflet d'un travail actif et rigoureux effectué avec et pour eux, dans le souci constant de les rendre acteurs de leur quotidien. C'est vrai que le PASA, donc pôle d'activité de soins adaptés au sein de notre établissement résidence Le Sacré-Cœur à Gentilly, est vraiment un espace de convivialité très apprécié. Voilà, très apprécié des résidents, des familles. Et c'est vraiment un espace qui est très important pour nous, dans la mesure où les résidents qui ont des troubles de comportement, des troubles cognitifs, sont accueillis, ne sont pas forcément à l'unité de protéger directement lorsqu'on a des admissions. Et c'est vrai que c'est un pôle qui a vraiment toute sa place au sein de notre résidence. Donc, on est très satisfait de ce qu'on fait, les activités qui sont régulières, les projets qui sont très bien suivis. Et c'est vrai qu'on communique de temps en temps sur ce qu'on fait. Voilà. En tant que directeur, je suis vraiment très, très ravi, très satisfait de ce pôle au sein de notre établissement. Je ne voudrais plus m'arrêter. Ah, ce qu'on est bien, main dans la main.